nous avons saisi des produits prohibés, comme vous l'avez dit, et notamment des comprimés, au niveau du marché des bananiers. Ces produits-là sont pour la plupart quand même très dangereux pour la santé publique, mais également il y a certains d'entre eux qui affectent, dont la consommation affecte vraiment la faculté humaine, l'esprit, qui dérange l'esprit humain. Notamment des tramadols, connus de tout le monde, des tramadols, dont quand même aujourd'hui nous savons que la couche juvénile utilise beaucoup pour quand même poser des actes de délinquance, des actes de banditisme un peu partout à travers la ville de Bamako aujourd'hui.